La suppression de la limitation des mandats, qui reste aujourd'hui euh, un problème pour nous tous, mais également la possibilité de nomination du maire de Dakar. Euh, le Sénégal va connaître un recul démocratique de plus de 100 ans. Je crois que les exemples qui sont pris aujourd'hui et toute la théorie qui est en train d'être faite autour de cette nomination du maire de Dakar euh, est, 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 une, est une question qui, 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 qui devrait ne pas intervenir dans notre pays. Euh, L'exemple, par exemple, du, de la nomination du maire euh, d'Abidjan ou de, du maire de Yaoundé. Je crois que si on prend des exemples, nous devons les prendre par rapport à des villes ou à des pays qui ont fait des progrès dans ce domaine-là et qui restent des exemples. Mais la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ne sont pas des exemples par rapport au Sénégal en matière de démocratie. C'est pourquoi cela m'inquiète. Nous avons entendu l'ancien Premier ministre, actuel secrétaire général de la présidence de la République, dire il y a quelques jours, par rapport au rapport de, de l'OFNAC, que l'auditeur était un français. Aujourd'hui encore, il commet une autre grande gaffe en disant que la majorité des pays dans le monde sont des pays où il n'y a pas de limitation de mandat présidentiel. Alors que cela est totalement faux. Il y a plus de 120 pays sur les 180 et quelques pays où la limitation de mandat présidentiel effective. Je crois que là également, si nous devons prendre des exemples, nous devons les prendre par rapport au pays de progrès en matière de démocratie et de liberté individuelle et collective. Malheureusement, nous sommes en face aujourd'hui d'un régime qui cherche à tout point de vue à conserver le pouvoir. Ce que le premier ministre, l'ancien premier ministre, a dit il y a quelques jours également, euh, par rapport au mariage entre Macky Sall et le Sénégal, qui devrait se terminer en 2035, cela aussi inquiète les Sénégalais, parce que on nous prend pour des demeurés. Le Sénégal ne, ne va pas se battre, les Sénégalais ne vont pas se battre. En matière de démocratie et de liberté, jusqu'à maintenant, est resté insensible à cette tentative d'intimidation des populations. Et cette question doit vous intéresser vous-même, vous les journalistes comme nous. S'il y a une résistance à organiser, c'est tout le peuple sénégalais qui doit organiser cette résistance. Parce que le régime ne peut pas confisquer ce que le peuple a acquis de haute lutte. Je crois que vous avez suivi le processus qui a amené notre pays aujourd'hui là où il est. Il a fallu que des Sénégalais se lèvent, se battent tous les jours contre le régime d'alors pour que nous soyons aujourd'hui un pays où il y a eu deux alternances. Je ne crois pas que vous, vous soyez d'accord sur ça. Je compte, moi, sur tous les Sénégalais pour s'opposer à cette forfaiture-là.